Boker Tov Umevorah, une halakha concernant la tefila, dans le Siman Tzadik Dalet, Saif Dalet, et Saif He, et Saif Vav, du Shulchan Aruch, je vais vous lire et traduire ce que nous enseigne le Shulchan Aruch par rapport à des cas de force majeure. Lorsqu'une personne ne peut pas faire la Amida debout normalement, alors quelles sont toutes les hypothèses éventuelles? Regardez. Haya Yoshev Basefina Obaragala. Quelqu'un qui était assis dans un bateau ou dans un carrosse, puisqu'à l'époque, il n'avait pas de voiture, c'était des calèches. Im Yachol la Amod Bemakom Akriot Omed. Kede Sheye Korea Meromed ou Poseya Chalosh Pesirot. C'est-à-dire, cet homme a le droit de rester assis pour faire la Amida. Le Shmona Esrei, bien que normalement il faut être debout, c'est comme ça qu'on fait la Amida, comme son nom l'indique, mais il se trouve maintenant dans des circonstances qui ne lui permettent pas de rester debout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis et il va lire son Shmona Esrei, mais qu'il s'efforce de se lever au moment où il faut se prosterner. Il se lève, il se prosterne, il se rassoit. Im yachol la'amod b'makom akriot omed, s'il le peut. Kedé Sheye Korea Meromed, ou Poséa Shalosh Pesirot, également à la fin de la Amida, avant de dire Ose Shalom, qu'il fasse ses trois pas à reculons pour dire Ose Shalom. Donc s'il le peut, qu'il le fasse. Regardez ce que dit le Rama là-dessus. Afalpi She Yoshev Bechol Atefila. Bien que pour tout le restant de la Tefila, il était assis. Mikol Makom Imefchar La'amod, Yahamod Kedé Lekayem Akriot, Vapsirot Kedarkem, comme on vient de le dire, s'il peut se lever juste dans ces endroits-là, c'est très bien. Veim Ief Charlo, regardez quelque chose de très sympathique. Et s'il ne peut pas, Kegon Sherochev à la Behema, Yahzir à Behema, Shalosh Psirot le Ahareha, Verolelo Keilu Pasal Veratzmo. S'il était à Dodan et il ne peut pas descendre de l'âne, alors qu'il fasse marche arrière avec l'âne. C'est l'âne qui fait trois pas reculons, et c'est compté comme si c'était lui-même qui avait fait Ose Shalom avec les trois pas en arrière. Écoutez encore ce que dit le Shulchan Aruch. Haya Rochev, et ça c'est une halakha qui est très importante par rapport à des cas de force majeure. Haya Rochev ala Hamor. Le bonhomme était, il chevauchait à Dodan. Et Tsarich Lered ou Litpalel, il n'a pas besoin de descendre de l'âne pendant son voyage pour faire la Amida. A filo imiesh mishetofe set hamoro. Même s'il a quelqu'un qui lui tient le hamor dans le parking. Et la mitpalel derech ilucho. Il a le droit, durant le voyage, tout en avançant, de faire la Amida. Vechen imaya basfina ou algabe karon. Pareillement, si c'était dans un bateau, ou sur une calèche, ou aujourd'hui, dans une voiture, dans un train, dans un bus, dans un avion. Im yachol la'amod omed, s'il peut être debout, très bien. Ve'im lav, yoshev bimkomo mitpalel. Sinon, il reste à sa place, assis, et il fait la tfila. Oim haya olech beraglav, mitpalel derech ilucho. Même quelqu'un qui était en train de marcher, eh bien, derech ilucho, pendant sa marche, il fait la amida. Incroyable. Af im en panav keneged Yerushalayim. Afilo shelo bemakom sakana. Shulchan Aruch nous dit, bien que cet homme n'est pas orienté vers Yerushalayim, et même s'il n'est pas en danger. Pourquoi? Regardez la logique, le raisonnement. Ki im yamod vitpalel, ikshe be'enav ichur darko, vitared libo velo yuchal lechaven. Étant donné que si tu l'obliges à s'arrêter pendant sa marche, pendant son voyage, tu lui dis arrête-toi pour faire la Amida, pendant toute la Amida, à quoi il pense? À son retard de voyage. Oh là là, je vais arriver en retard. Eh bien, ce monsieur, au lieu de se concentrer dans cette fille-là, il se concentre par rapport à la montre et combien de retard il a pris. Alors il vaut mieux qu'il reste assis ou il marche à pied et qu'il fasse la Amida en marchant ou en chevauchant. Mais au moins, il se concentre dans ce qu'il dit, il fait une vraie tefila, plutôt qu'il fasse un semblant de tefila. Son cœur est ailleurs, son cœur il est dans la montre, au lieu d'être dans le livre de la tefila, dans les paroles de ce qu'il est en train de dire. Mais le Shulchan Aruch conclut en disant, il dit tout ça, ce sont des paramètres
desquels il faut tenir compte en fonction des circonstances. Tout est une question de stress. Dans quel stress tu es ? Viesh mahmirim la'amod be'avot. Il y a ceux qui disent qu'au moins, la première bracha de la Amida jusqu'à Magen Avraham, ce qu'on appelle Birkat Ha'avot, au moins là tu t'arrêtes et tu te lèves pour au moins cette bracha. Vera'ou ilachush edivrem imhu, shelom emakom sakana. Et nous dit le Shulchan Aruch que oui, il faut tenir compte de cette opinion s'il n'y a pas de danger. Je termine avec la dernière halacha. Hole mitpalel afilu shochev al tzido vehu sheyachol lechaven dato. Un homme qui est malade, un homme qui est âgé, qui est très fatigué, et maintenant il est allongé. Il peut faire la Amida que allongé. Alors, est-ce qu'il faut qu'il fasse la tefila ? Réponse, oui. Hole mitpalel afilu shochev al tzido. Un homme qui est malade et qui ne peut pas se lever, c'est fatigant pour lui, eh bien qu'il fasse la Amida allongée sur le côté. Et bien sûr, dans le cas où il peut se concentrer. Mais si même ça, c'est difficile pour lui, alors il est dispensé totalement de la tefila. Comme ça dit le Rama. Vim if charlolit palel, mikol makom yehav herbelibo. Quelqu'un qui ne peut pas faire la tefila parce qu'il est tellement fatigué, épuisé par sa maladie, au moins qu'il fasse la Amida dans sa pensée. Il est allongé dans son lit et il pense la Amida. Comme il est écrit dans le Pasuk, Imru bilvafrem al mishkafrem. Pensez dans votre cœur tout en étant sur votre couche allongée. Donc voilà toutes les situations qu'on a passées en revue maintenant, qu'on appelle des cas de force majeure. Bruchim tihyu.